Et bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je confectionne les colliers pour animaux. Pour cela, vous allez avoir besoin de vernis, de fils, de perles et des attaches. Le vernis va servir à durcir le bout du fil, parce que pour enfiler des perles, des fois quand c'est trop mou, on a un peu du mal, et selon l'épaisseur de la perle. Donc pour cela, je vous conseille de mettre donc du vernis pour durcir. Là, au préalable, je l'avais déjà fait, donc mon bout du fil était déjà dur. Donc là, vous m'avez vu, j'ai fait un nœud où j'ai mis l'attache, et je viens de nouveau sécuriser mon nœud avec du vernis. Ensuite, il suffit d'enfiler les perles, tout ça selon vos goûts et vos envies. De temps en temps, je viens prendre mon mètre pour mesurer la taille du cou du toutou, sinon je ferai un collier un peu trop grand ou trop petit, donc c'est important de le mesurer. Et là, comme vous pouvez le voir, j'étais un petit peu indécise, je ne savais pas trop quoi choisir, et finalement j'ai choisi la fleur. Quand je trouvais ça un petit peu plus joli. Une fois que j'ai fini d'enfiler toutes mes perles à ma guise, je viens prendre le bout de mon attache et le finir avec des petits nœuds. Une fois que j'ai terminé de nouer mes nœuds, je viens reprendre mon vernis pour sécuriser le tout. Puis une fois que mon vernis aura séché, je viendrai couper des bouts qui dépassent et je finaliserai le tout avec de la colle spéciale bijoux. Comme ça, on est certain que tout tiendra très très bien. Et voilà, le collier est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bisous !